collaboration. C'est vrai que la chanson en elle-même a remporté un franc succès dès sa sortie. Tout le monde a apprécié. Maintenant, cette autre version, cette version remix, est magnifiquement bien travaillée aussi. Ça fait du bien de savoir que les jeunes auteurs africains peuvent se mettre ensemble pour pondre des choses un peu plus potables. Bon, Solène, pour moi, ça, c'est une belle preuve d'humilité. Humilité dans le sens où, à un moment donné aussi, sur le plan national, vous devrez comprendre une chose. C'est pas parce que vous avez le succès que vous estimez tout simplement que ceux qui font dans le même genre que vous, qui peut-être n'ont pas le même succès que vous, ne sont pas à votre hauteur. Il faut tendre la main à tout le monde. Aujourd'hui, tu refuses de faire le featuring avec un jeune frère qui aussi émerge dans le monde de la musique, et demain, tu tends la main à d'autres personnes quand ils refusent, tu estimes que c'est la sorcellerie. Non, c'est pas la sorcellerie. C'est tout simplement, je veux dire quoi, le retour à l'ascenseur. Quand tu es humble, quand tu es d'une humilité sans pareil, eh bien, ils peuvent t'accompagner parce que tout ça, elle permet à la fois de sortir la tête de l'eau. Diamond Platinum, qui a un succès international, qui a un succès planétaire. Nous avons également Ariel Chené, qui sont tous deux des artistes à succès, qui acceptent de collaborer également avec un artiste camerounais à succès. Eh bien, c'est la preuve qu'ensemble, on va plus loin. Donc, évitez de penser que parce que vous êtes chez vous, vous avez le vent en poupe, les autres qui sont derrière, vraiment, les deux sont les idiots. Non. Non, mais demain, non. c'est peu. Ça devine quoi? Aujourd'hui, c'est votre tour, et demain, ça peut être le tour de l'autre. Bon, Une en fois que même vous l'avez temps. tendu la main, eh bien, il peut vous soutenir demain. D'accord. En même temps, on a le droit encore de choisir Oui, non, pas avec qui prendre n'importe collaborer, qui, hein. prendre quelque chose qui est quand même Voilà, potable. et Voilà, voilà. quelque chose qui est potable. Allez, dans Voilà. l'actualité, signalons que le lancement officiel du Ngwon 2020 aura lieu demain, samedi 18 janvier, à Foumban. Ce sera la cour traditionnelle d'Apara. Ce sera par Sa Majesté le Sultan, roi de Bamoun, dès 11h30 minutes. Et outre cette cérémonie ô combien importante, il y aura l'installation des responsables et membres des structures en charge de l'organisation du Ngwon 2020. Lancement donc officiel du Ngwon demain, 11h30 minutes, à la cour traditionnelle d'Apara de Foumban. Et toujours dans la région de l'Ouest, Chouchou, je pense qu'il y a une information ô combien importante, il faut la chercher cette information, Tout à fait, on la donnera tout à justement l'heure. concernant toutes les femmes candidates, évidemment, aux échéances du 9 février prochain. C'est donc la grande caravane qui va s'étendre sur toute l'étendue du territoire. Et le premier arrêt majeur, c'est donc ce vendredi dans la salle de réunion des services du gouverneur, entre 11h et 14h pour les candidates de l'Ouest et du Nord-Ouest. Nous allons tout de suite marquer un arrêt. Question d'y retrouver Monsieur Patrick Christian Debo qui signe Regard sur l'actu, la chronique. Et ce matin, le Sieur a décidé de jeter son dévolu sur deux sujets carrément. Alors, le Bonjour, premier Monsieur Patrick sujet. Christian Debo. Bonjour à toi, Soufflane, et bonjour à Thierry Carole. Le même bonjour, nous l'adressons à nos téléspectateurs ce matin, à qui nous souhaitons de bonnes choses, une bonne entrée dans le week-end, qu'on espère éloigner des violences D'accord. qui nous accablent de Et plus en d'ailleurs, parlant de plus. violences, M. Patrick Sandebosse, ce matin, vous avez décidé de jeter votre regard sur les violences en milieu scolaire et surtout la cote d'alerte qui atteint un pic quand même. Oui, d'ailleurs, vous vous souvenez, la dernière édition de cette session Regard sur l'actu, nous en parlions déjà en amont. Il y a quelques semaines, nous en parlions ici. C'est un phénomène qui, malheureusement, n'est pas inédit dans le contexte camerounais. La violence en milieu scolaire, nous disent quelques-uns, est même innée à l'existence de la scolarisation, de la mise en commun. Des enfants à éduquer qui viennent d'horizons divers, avec parfois des éducations qui sont aux antipodes, justement, des pics de tension. Mais c'est un phénomène qui, depuis quelques années, a totalement pris un virage qui, de plus en plus, devient difficile à contrôler. Lorsqu'on parlait de la violence en milieu scolaire, on impliquait toute la communauté éducative. On impliquait les enseignants. On impliquait les élèves, on impliquait parfois même l'environnement qui est autour de ces milieux de scolarisation. Et depuis quelques années, le phénomène nous montre des visages qu'on n'avait pas vus. Tout au moins ce qu'on pensait voir simplement dans des fabrications de scénarii destinées aux images qui nous sont de plus en plus diffusées sur nos écrans de télévision, dans les films et autres images que nos jeunes peuvent côtoyer. Il n'y a pas que les jeunes qui les côtoient, nous-mêmes aussi les adultes. Et donc, ce qui est arrivé il y a quelques jours,
d'abord au lycée de Colbison, dans la foulée du côté d'Obala. On annonce d'ailleurs, on a comme l'impression que un élément déclenche une série. Et au lieu d'avoir des attitudes qui sont plutôt retranchées, réservées, comme on dit, on aurait même espéré que le jour où on arrête un voleur, les autres voleurs se calment un peu, en attendant que la tempête, ou tout au moins la pression qui semble être visible, en tout cas nous on croyait que la pression était visible avec le premier cas, que non, tout le contraire se produit, et vous avez l'impression que c'était comme un signal déclencheur, où finalement tous les autres acteurs se sont dit « passons à l'acte », comme ces mots d'ordre de la Deuxième Guerre mondiale qui avaient permis aux Alliés de renverser la tendance par rapport à l'Allemagne. On peut en parler comme ça avec des éléments référentiels qui peuvent donner une notation comique, mais il est suffisamment important de se dire que la situation est grave. Les enfants que nous avons dans ces milieux scolaires, parfois en bas âge, aujourd'hui d'ailleurs que ces enfants vont très vite en termes d'évolution à l'école, sont justement à la merci de ces pics de tension qui sont devenus des pics criminels et qui sont devenus même un danger. Le lieu de scolarisation serait-il devenu finalement le lieu de fabrication des criminels, le lieu de fabrication des esprits criminels et le lieu de discussion même du fait qu'on peut voir un doigt être coupé et puis finalement que cela devienne banal. Des images choquantes circulent et pas seulement à un endroit. Si vous vous rendez compte qu'une chose s'est passée dans telle localité et qu'à l'extrême de cette localité se passe la même chose, il va sans dire que dans les mécanismes du système, on a un problème qui est sans doute un problème à la base morale de la société, sans doute un problème à la base morale de l'échec des parents que nous sommes, mais qui est sans doute aussi un problème qui, justement, illustre les failles de sécurité et de surveillance qu'on a dans ces milieux. Ça n'est pas aisé, nous dira-t-on, et nous pouvons convenir de pouvoir surveiller près de 2000 élèves, ainsi de suite, dans le détail. Mais s'il faut passer par là pour atténuer tout au moins le risque de criminalité, parce qu'il ne s'agit plus de violence simple, de criminalité qui gagne en intensité dans nos établissements scolaires, peut-être qu'il faut le repenser. Et cela a été possible à des moments, on l'a vu. Il ne faudrait pas que ce soit possible simplement lorsqu'on sent des tensions palpables. On ne devrait pas avoir ce type de fouille comme on l'a vu dans certains établissements parce qu'on a déjà eu un mort sur le carreau ou on a eu des doigts amputés. C'est encore même très beau de dire amputé. On dirait que cela est passé par un mécanisme bien prévu par les prescriptions médicales. Alors qu'ici, il s'agit carrément de couper, comme si on était en train de couper je ne sais quoi. Et donc, on pourrait passer à des mécanismes de surveillance pour tout au moins installer la psychose du côté de ceux qui ont des mauvaises intentions et même influencer tout au moins les intentions criminelles. Parce que lorsque nous avions le drame consécutif aux attaques et autres de Boko Haram, lorsque cela commençait dans la partie septentrionale, nous avons bien vu que sur l'ensemble du territoire, on avait pratiquement exigé, et cela se passait, des fouilles systématiques à l'entrée de nos établissements, avec du matériel capable même de détecter les métaux. On l'a vu devant les établissements. Pourquoi est-ce qu'on relâcherait cette partie-là? Il faut le faire parce que le mal, lui, il est là. Lui n'a pas relâché son risque et son intention de détruire notre société. Et donc, c'est comme un combat que nous menons contre ce mal. Chaque fois que nous relâchons, il prend le dessus et il gagne même en termes d'intensité au point où il devient plus difficile après de le faire reculer. Donc, c'est bien difficile la situation dans laquelle enseignants et autres élèves se retrouvent. Parce que malheureusement, même si nous n'avons pas la majorité qui se comporte de cette façon, il est important de dire que une minorité peut être dangereuse au point de gangréner l'ensemble et même de mettre mal à l'aise l'ensemble. Il est donc important qu'on y repasse. Regardez les images que la réalisation nous montre. Vous vous imaginez qu'à la place d'un bic, d'un stylo, vous avez ce type d'engin. Qu'est-ce qu'il va faire dans un établissement?
Celui qui le met dans son sac pour aller dans un établissement scolaire, quelle est son intention? On vous demande d'avoir des cahiers, des bics, à la limite même des compas qui sont devenus aussi des instruments de meute. Mais voilà ce que des jeunes amènent à l'école. Comment concevoir que l'idée est même passée de se retrouver avec cela? Et dans cette dynamique, bienvenue aussi à la facilitation que constituent les drogues, qu'elles soient légères ou qu'elles soient dures, ces stupéfiants-là sont sans doute à l'origine dans une bonne partie de ce que nous voyons. Mais n'oublions pas la fabrication aussi psychologique avec ce que nous diffusons, les médias, et parfois même la scène comique qui reproduit des actes violents comme instrument justement de faire valoir. Et croyez-moi, ces jeunes enfants sont parfois adulés, respectés par les camarades, peut-être parce qu'on a peur d'eux, mais ils sont comme, j'ai envie de dire, des petits roitelets dans ces établissements qui ne sont pas souvent dénoncés. Et le drame, et nous ne voulons pas le penser, c'est de savoir que parfois, quand ils sont dénichés par ceux qui ont la charge de les surveiller, on passe parfois par des tours de passe parce que nous n'évoquerons pas ici ces cas-là qui deviennent finalement désastreux pour les propres enseignants. Donc c'est une cote d'alerte qui nous impose aujourd'hui de regarder avec profondeur cette situation. Et si aujourd'hui, après 2-3 semaines, comme on l'a vécu par exemple du côté de Deido, on finit par avoir la calmie et qu'on retrouve le quotidien normal et qu'il n'existe plus de fouilles ou de mécanismes, on risque un jour se retrouver avec plus que ce que nous avons ces jours. C'est clair. On va s'intéresser à tout à fait autre chose, M. Patrick Essien-Lebon. On va revenir sur ces délestages qui sont de plus en plus légion au Cameroun. C'est devenu banal, c'est presque normal. c'est peut-être encore ça l'autre drame. Oui. Que nous en soyons finalement à intégrer le fait que le minimum que nous devrions avoir ne le soit pas et que finalement on se dise on va faire comment ? On n'est plus emprunt aujourd'hui à se chercher une lampe rechargeable, à chercher comment est-ce qu'il faut charger son téléphone, je ne sais pas moi, chez le voisin ou bien au bureau parce qu'il y aura un groupe électrogène avant de rentrer. Et finalement, dans le conscient collectif, on finit par accepter ce qui est anormal. C'est-à-dire qu'on a fini par normaliser ce qui est anormal, par écarter la norme pour normaliser ce qui ne l'est pas. Et donc, dans une situation comme celle-là, on voit très bien ce que les populations vivent actuellement. On a l'impression que le retour des délestages est plus qu'intense que ce qu'on avait par le passé. Et comment comprendre ce silence qui semble être l'expression d'un mutisme collectif? Et j'aime bien reprendre Aimé Césaire qui disait que nous sommes finalement devenus une foule qui ne sait pas faire foule et pour ses droits. Il ne s'agit pas de l'anarchie, mais il s'agit carrément de dire que nous ne sommes pas d'accord avec cette situation. Et cela devient non seulement stressant, difficile pour les populations, mais imaginez ce que cela peut coûter à l'économie nationale au moment où on a besoin que cette économie soit sur ses deux pieds. Le pays a besoin d'avoir un trésor qui puisse supporter les charges énormes qu'il a aujourd'hui au-delà des dépenses sécuritaires qui nous sont imposées. Comment pouvons-nous? On parle souvent de la route et de l'énergie, entre autres, comme des éléments clés de notre développement. Il est inadmissible que nous vivions ce que nous vivons aujourd'hui là. Je vous parlais dernièrement d'un petit détour dans une localité comme Kondjok. Vous vous imaginez des populations depuis octobre qui n'ont pas d'électricité. Et allez savoir pourquoi, mais c'est un fait. Vous avez des situations comme en Bomban où on a vu parfois des populations descendent dans la rue parce qu'elles ont passé des mois, plus de 6 mois sans électricité. On ne parlera pas de Batouri, on ne parlera pas de Menganga, parce qu'il ne s'agit pas que de Douala et de Yaoundé. Encore que Douala et Yaoundé sont en passe de devenir en situation plus difficile même que ces localités. On a l'impression finalement qu'on s'attend même déjà à ce que cela soit fait. La disponibilité de l'énergie électrique est devenue une surprise. Allez-vous voir dans certains quartiers de la ville de Douala, le retour ou la présence de l'énergie électrique est synonyme d'une petite victoire. On croirait les loins indomptables en train de marquer un but. C'est un cri de joie dans le quartier parce que vous avez une once d'électricité qui arrive. Et cette situation, malheureusement, donne l'impression que nous avons perdu
le réflexe de voir ce qui est essentiel pour nous. Et en face, la communication est presque simpliste. On a l'impression que les consommateurs et les populations que nous sommes n'ont pas droit à l'explication ou à l'effort nécessaire pour y arriver. Mais il faut bien qu'on sache pourquoi cela n'aille pas. Il faut bien qu'on se dise qu'il faut faire des efforts pour que cela aille. Il faut bien que nous atteignions ce qui doit être livré en termes d'énergie. Je suis sûr ici que vous et moi, chacun à son niveau, est victime profondément de cette situation de délestage en termes d'énergie. Bah oui, ça c'est voilà. Vrai. Mais on peut aussi relever, hein, M. Patrick-Christian Debord, que la société qui s'occupe de l'énergie électrique au Cameroun fait des efforts pour communiquer sur, sur ces délestages, pour expliquer pourquoi il y a ces délestages. Et ils ont même sorti un programme, un calendrier de délestage. C'est-à-dire que vous savez que vous savez pertinemment qu'entre 18h et 21h, on n'a pas d'électricité, parce que si, parce que ça, ça au moins, on ne peut pas... Alors, c'est peut-être ce qui aurait pu être la mesure atteignante. Mais la première des choses, c'est dans la difficulté de respect de ces calendriers, qui est une évidence. Et la deuxième des choses, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule entité qui s'occupe de l'énergie électrique actuellement chez nous. Et ça complique la tâche. Vous avez suivi des experts. Il y a le volet transport, il y a le volet production, il y a le volet distribution, qui est peut-être l'interface, qui est peut-être la chose la plus en vue. Mais on a l'impression qu'à travers les entités différentes qui sont impliquées dans la production, la distribution de l'énergie électrique, on a l'impression que les rails, ou tout au moins la chaîne, n'est pas totalement en phase. Et c'est en cela qu'il faut se dire que de ce côté, il faut faire quelque chose. Parce qu'il n'y a pas que vous. À l'échelle nationale, l'économie en souffre. Et c'est pour ça qu'il est important de se dire aujourd'hui que ce qui se produit actuellement peut nous donner une ou deux situations. Soit qu'on n'a pas été dans l'anticipation, soit forcément que dans le fonctionnement au quotidien, il y a des mécanismes qui ne sont pas suffisamment huilés. Parce qu'en temps normal, on ne se retrouverait pas à ces énergies coupées. Et c'est encore plus grave, Soufran, quand vous allez vous imaginer les sources de production que le Cameroun a fait l'effort à coût d'argent énorme de nos frais de pouvoir avoir. C'est vrai que toutes ces sources-là ne sont pas encore totalement exploitées, mais il est important de se dire que ce qui se passe actuellement n'est pas digeste pour un pays comme le nôtre qui a l'ambition de tenir son émergence en 2037. L'énergie est capitale pour les sociétés, dans le quotidien, le social, et pour que cette économie puisse arriver. Et donc, c'est important de le dire, de le leur rappeler que la mission principale n'est pas de nous expliquer pourquoi il n'y a pas d'énergie, mais de nous fournir l'énergie. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, M. Patrick Christian Debord, vous qui suivez notre numéro de regard sur l'actu. Vous parliez des délestages à répétition enregistrés au Cameroun. Vous parliez aussi des violences en milieu scolaire. Et vous avez rejoint d'une certaine manière mon trésor, M. Martin Kamemim, qui estimait que nous sommes tous coupables dans cette chaîne de violence-là. Voilà. Je ne sais pas si pour les délestages aussi, nous sommes tous coupables. Et même pour les délestages, vous verrez très peu d'élèves se plaindre de ce que, faute de lumière, ils n'ont pas suffisamment de temps pour... Peut-être que sont-ils pris à imaginer la forme du couteau, de la lame, qui vont nous amener dans les sacs, au point d'oublier même que l'énergie est nécessaire pour... D'ailleurs, il y a un oncle qui disait qu'il y a, pour lui, il y a une solution à ça, c'est que désormais, dans chaque établissement, on devrait mettre soit un militaire ou un policier. Comme ça, quand un élève fait une bêtise, le professeur va picourger l'élève, on met tout simplement l'élève en plein lundi, en plein rassemblement, c'est le policier, le militaire qui fouette l'élève correctement. Merci beaucoup, M. Patrick. Bienvenue les procès sur les droits de l'homme et de la... Voilà, bon week-end, on se retrouve lundi. Merci. Allez, à vous. Quelques extraits de la chanson du cœur, tout de suite.